ami. Je déteste ces arrivées en cauchemar. Sérieux, je déteste ça. Bonjour ou bonsoir mes amis, en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, et bienvenue dans l'épisode 3 de Projet Zéro. Oui, c'est bien l'épisode 3. Voilà, donc là, il y a You qui vient de rentrer. Donc on va le suivre, je pense qu'il doit être... Oh putain! Bâtard, où est-ce qu'il est? Oh mon dieu, il est derrière moi. Ça commence fort, mes amis, ça commence fort. Je vais t'éclater la gueule, toi, avec mon type 14. Allez, viens, viens, attaque-moi. Ah ah! Combo! Combo! Et voilà, t'es rentré dans le combo, mon pote. Ça ne l'a pas tué, mais ça l'a bien fait reculer. Ça va le toucher là, ça va le toucher. Ça n'a pas touché. Ouah putain. Ah, il m'a touché. Non. Ah voilà, allez crève. Il essaie de me toucher deux fois lui. Voilà, meurtre simple. Ta gueule, je vais pas t'aider. T'as essayé de me tuer. Bon, on va essayer d'aller en face. Parce que You doit être là-bas, bien que je doute que... Voilà, la porte est scellée. Putain de porte scellée. Donc on va essayer d'aller à droite. En général, si à gauche ne fonctionne pas, on va à droite. Surtout que le fantôme, il venait de la droite. Donc on va aller se balader à droite. Je suis remonté comme une horloge. Là, je suis motivé à fond pour... Où est-ce qu'on est arrivé, là? Ah, il y a un truc ici. Quelque chose brille par terre. 61, merci mon ami. Je suis remonté à bloc là, je suis... Hey, il y a un truc ici. Il y a un truc en bas à droite. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Vous voyez ça? Vous voyez le truc par terre là? Putain. Oui. Vous voyez ça là? Ça. C'est une main. 500 points. On ne dit pas ce que c'est. C'est une main. Où va-t-on partir? On va voir ce qu'il y a en haut. Et après, on va aller voir la main. Alors, qu'y a-t-il ici, mes cocos? Qu'y a-t-il ici? Ah, une eau bénite. Magnifique! Ici, que dalle. Ça ne contient rien. Donc, oh mon dieu, j'ai eu peur pour ça là. C'est quoi ça? Il y a une brèche dans le mur qui me permet de voir l'étage en dessous. C'est peut-être là où se terminait la rampe. Quelle rampe? De quelle rampe elle parle? Quel est cet endroit? Ouais! C'est quoi ce machin? C'est quelqu'un? Attendez, on va aller voir. On peut descendre, je crois. On va aller voir ça. On va voir le cœur net. Et là, fin de l'épisode. Qu'y a-t-il là-bas? Alors, c'est où? C'est là? Ah, il y a une porte. Il y a une porte. Scellée. Encore une porte scellée. Putain, il n'y a que des portes scellées dans ce manoir. C'est où le machin? Ah, encore une porte. Scellée, j'imagine. Eh ouais, scellée. Putain, mais c'est pas possible. Donc ici... Ouais, donc ça doit être là. Juste à gauche. Non, bah non, mais c'est où? Ah non, c'est dans la pièce d'ici. Putain, je suis con. Il y a quelqu'un là? Oh non, c'était une poupée. Ah, type 14. Ah bien merci. Ah non, c'est le truc qui était là-bas. Là, c'était une poupée. Bon, tant pis, on va continuer. On va continuer. On va aller là où il y avait la main. Parce que franchement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. Où la main? Ah putain, une porte en bas du mur. Solidement fermé, on dirait que quelqu'un bloque de l'autre côté. Ok, d'accord, ok. Bah oui, c'est la main qui est en train de bloquer. Hein, qu'a-t-on ici? C'est quoi ici? Ah d'accord, c'est le premier endroit où on a croisé la fille et sa mère là qui cherche son père. Donc on va pas aller là tout de suite.
On va aller explorer un petit peu les nouveautés. Bon, on va revenir dans le couloir parce que faut pas quand même déconner qu'il y avait quand même un truc à gauche. Il y aurait une autre porte à gauche, j'imagine, un autre chemin à gauche, donc il y a sûrement une autre porte à gauche. On va plutôt aller voir ça d'abord. Parce qu'on n'a pas galéré tout ça pour revenir en arrière, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous pensez, mais... Et là, vous me dites, ouais, bah c'est le meilleur moyen de te perdre, hein. T'es le con. Oh, eh ben non. Voilà, vous avez bien dit qu'il y avait un truc nouveau. Encore un truc bleu. Ouais, un truc bleu à développer, donc, lorsque nous reviendrons dans la réalité. Entre-temps, on va aller voir ce que c'est. Un vieux projecteur au centre de la pièce. Il y a un ancien film déjà en place. C'est quoi ? Ancien film ? Oh putain ! Tourne-toi ! Elle est en train de me sourire, tu vois ? Oh putain ! D'accord. Ceci est un film. Eh, on voit la petite fille. Une bombe est placée dans... Ouais, c'est ce qu'on a... Ah, sur l'étiquette décolorée, t'as inscrit le mot empalement. C'est pas le même, j'imagine. On va voir. Bah si, c'est le même. Si c'était dedans. Je suis con, Stéphane. C'est le même film. C'est bien ce qu'on a vu. Ah d'accord, c'est l'empalement. Donc c'est le truc qu'on avait vu, nous, dans l'intro. Enfin, dans l'intro, dans... je sais plus quoi. Bon, il y a une salle ici. Qu'est-ce donc ? Note du folkloriste. Au cours de mes recherches, j'ai découvert l'existence d'un sanctuaire qui pourrait bien être à l'origine de la prêtresse endormie. Ah, j'avais bien que c'était un truc sur l'endormement. L'endormissement, l'endormement, l'endorme... Bref, ce sanctuaire est minuscule et caché au cœur d'une montagne, exactement comme sur le dessin. Aucun fidèle ne vient régulièrement et... Si l'on en croit les histoires des villages voisins, le sanctuaire permet d'offrir sa douleur. Je vais t'offrir ma douleur. Pardon. La chef de famille a accepté de me rencontrer et m'a dit que je pouvais rester jusqu'à la fonte des neiges. Les femmes précédant un rituel pour protéger un lieu sacré dans la montagne. Ah, les femmes procèdent. Et pas procédant. Je suis con. Les hommes ne peuvent y participer, mais quelques élus, les étrangers sont parfois choisis pour perpétuer la lignée. Cette coutume est familière. Les invités de l'hiver masquent leur visage et tirent des chariots lourdement chargés. On dirait une procession funèbre. Il existe sûrement un lien entre les rituels qui suivent leur arrivée et la chanson Les prêtresses endormies. Ok, y'a rien d'autre ? Oh ! Clairvoyance ! Ah, un peu verrouillé ! C'est génial de verrouiller en fait. Lorsque votre appareil est prêt, il s'oriente automatiquement. Mais... Ok. Bon. Bon. Il n'y a pas de bouton appuyé, quoi. Pas comme dans le 4. Rien d'autre ? Ok, rien d'autre. On va repartir. Il y a quoi ici ? Ah, il y a quelque chose. Film 14. Ok. Il m'a semblé voir une autre porte tout à l'heure ici. Voilà. Une porte ici. Donc on va aller là plutôt. Découvrir des choses. Ah! Mon Dieu Seigneur! Elle fait comme un zombie. Et c'est bien, l'appareil vise tout seul. C'est magnifique, c'est magique. Alors, les trucs ici. Ah, quelque chose par terre. Herbe médicinale, merci. Ah, bah, la lumière brille encore. Il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, un truc ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose d'apparu sur la photo. Ouais, mais je vois pas ce que c'est. Ok. Ok. J'ai pas de points? J'ai rien. Putain! J'ai rien, j'ai pas de points, rien, que dalle. Bon. On va découvrir un endroit nouveau encore. Parce que je vous le rappelle, je sais pas où aller, donc on va faire que découvrir. Une porte. Fermée. Je m'en doutais pas du tout, dis donc. Toutes les portes que l'on croise sont soit scellées, soit fermées. Ah, une photo à prendre ici. Prendre une photo.
pas se gêner. Nous n'allons pas nous gêner. Il y a une porte ici, faut pas que j'oublie ça. Oh putain! Oh, c'est magnifique le verrouillage! J'ai pas besoin de tourner l'appareil comme un taré. Allez, on y va. Photo. Souriez! Donc ça, c'est à développer dans la réalité, hein, je veux dire, en se réveillant. Donc je sais pas si on passe par la porte ou si on suit la fille. Oh, allez, on va suivre la fille. Oh, il y a un truc par terre. Après, si vraiment on est coincé, si on sait plus où aller. D'ailleurs, il y a une autre porte là-bas. Si on sait plus où aller, là, éventuellement... Pierre miroir. Donc les pierres miroirs, pour ceux qui savent pas dans Projet Zéro, lorsque l'on meurt, en fait, ça nous redonne toute notre vie et c'est une sorte de résurrection, en fait. Donc on va suivre la jeune demoiselle. Il y a un truc bleu qui commence à apparaître, un filament bleu. Ah, il y a un truc ici. Une petite fille. D'accord. Ok. Pas de points, rien. Mais j'ai plus de points. Ah, le truc disparaît pas. Il y a une poupée, la nana, la porte, elle même un double tour. La porte armée à double tour, chanson que l'entend semble venir de là. Une puissante présente émane de cette porte. Ok. C'est fermé aussi, c'est magnifique. Nous sommes pas dans la merde, les amis. On va revenir en arrière, il y a peut-être un truc là-bas. Sur la gauche, je crois, c'est sur la gauche, ouais. Oh putain! Putain, l'enculé! Oh mon dieu, il attaque vite! Il attaque vite! Ce bâtard, il attaque vite! Waouh! Ah non! Oh non! Foiré! Il attaque vite, il attaque vite! Allez, j'ai touché là, j'ai touché. Oh non, j'ai appuyé, putain les gars, j'ai appuyé, faut pas déconner. Oh, il va vite. Il va très vite ce bâtard. Oh non, j'ai tiré trop tôt. Ah si, j'ai touché. Oh, j'ai fait un combo. Sans même que le truc rouge apparaisse. Viens. Ah là là, ta gueule! Putain, il a un gros nez. Allez, j'ai touché là. Yeah! Mais je ne l'ai pas tué. Il est tenace, ce petit enfoiré. Oh non, j'ai raté. Ah! Cours! Cours, Rain! Lâche-moi! Tiens! Ah, mon nœud! Et voilà, j'ai touché en plein, de plein fouet là. Et je l'ai encore eu là. Il est mort. Connard, trou du cul. Putain. C'est du n'importe quoi. Bon. Ah, une sauvegarde. Vite, on va aller sauvegarder. On va aller sauvegarder parce que là, on a frôlé la mort. Et une porte. On va passer par la porte. Je pense est scellé, hein. Avec la chambre. Putain, la porte est fermée. Donc, You doit être là. Donc, il faut revenir là. Et d'abord, il faut éventuellement peut-être trouver la petite fille qui nous a fait chier, là. Qui était en train de tenir la porte, là. Je pense que c'est surtout grâce à elle qu'on pourra avancer. Il faut sûrement la combattre et ça va sûrement déceler la porte. Connaissant Projet Zéro. Voilà. Oh, une porte ici. On a déverrouillé. Ouais. C'était quoi comme porte ça? Ah, c'est la porte. D'accord, c'est la porte où on s'est fait. Où on était au tout début là, tout à l'heure. On s'est fait attaquer, donc on a commencé ici. Donc la porte a été déverrouillée. Ce qui est plutôt une bonne chose. Une très bonne chose même. Ah, il y a une porte là. Une petite porte là. Et ouais, une petite porte que j'ai déverrouillée aussi. Ah non, un motif d'œillet. Donc il faut que je trouve un motif d'œillet. Alors, il y a quoi d'autre ici? Ah, tiens. Oh, ah, on peut ralentir les fantômes. Donc, point d'esprit nécessaire. Hein, vous pouvez photographier, ralentir les fantômes.
Appuyez sur L1 pour activer. Vous permet de prendre les fantômes en photo plus facilement. Prolonge également la durée de l'instant fatal. Oh, et du cadrage fatal. Utile pour éliminer un fantôme rapide ou pour ajuster un instant fatal. Vous pouvez pas me donner ça juste avant que l'espèce de bidule m'attaque là? Il y a quoi derrière? Il n'y a rien. Ok, si elle ne tourne pas la tête, c'est qu'il n'y a rien. On va monter les escaliers parce que c'est le seul chemin qu'il nous reste à faire quoi. On est toujours dans la découverte. Oh putain! Ah! Je l'ai eu. Yeah! Baby! Oh yeah! Donc ici il y a une porte. Scellée. Putain! Et là-bas il n'y a rien. Bon les amis, je ne sais pas où aller. Je sais pas du tout où aller là. Franchement, je sais pas du tout où aller. Je vais vous raconter ma vie. J'ai acheté Rocksmith. Je voulais vous faire des petites vidéos sur Rocksmith. Ah, on va revenir en arrière plutôt. Et malheureusement, le câble ne fonctionne pas. Donc j'irai le rapporter et je n'achèterai pas Rocksmith parce qu'au final, bah, ça servira à rien de vous faire des vidéos sur Rocksmith parce que bon, c'est juste jouer de la guitare dessus. Autant que je joue vraiment de la guitare et que je fasse des covers et que je vous montre ça. Autant faire ça, quoi. Ouais, donc on revient en arrière. Je sais pas où je vais, là. Ah, ben là, on est dans la salle. Ah, il n'y a pas d'autres films. Et que dalle, il n'y a rien d'autre. Et là, c'était quoi déjà? Ah, tiens, on n'a pas visité celui-là. Non, il n'y a rien. Ah, oh, putain, mais si. Oh, je suis con, on a vu ça au début. Oh, le con. Bah, écoutez, on va revenir. Un peu en arrière, je sais pas. Ah, bah oui! Le kéké. On a pas déverrouillé un truc là? Je sais plus, on a déverrouillé. Ah, c'est là-bas. On avait déverrouillé une porte. Et il y avait une petite fille qui était en train de pleurer. Je vous disais, ouais, de toute façon, c'est la fille avec sa maman là. Bah, on va essayer de voir ce qu'il y a dans cette pièce. Il y a peut-être d'autres trucs dans cette pièce. Ça se trouve là-bas. C'est là-bas. Si je me souviens bien, c'est là-bas. Derrière, il y a une main qui a bloqué la porte là. Enfin, petit truc en dessous là. Inutile quoi. C'est là. Donc, ça, on l'a déverrouillé tout à l'heure. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici. Oh, une échelle. Découvrons ce qu'il y a au-dessus. Par contre, tu prends du temps à monter à une échelle, Ray. Ah, une porte. Verrouillée. Motif de capanule. C'est quoi ce machin? Et c'était quoi l'autre motif déjà? Je me souviens plus. Je me souviens plus de notre motif. Mandarine, non? Bon, mandarine, c'était pour les grosses portes, juste avant ce chapitre-là. Bon. Ah, il y a le truc qui apparaît, le filament qui apparaît. Mais arrête de pleurer pareil comme ça! Ah, il y a un truc derrière ici! Hé. Ah, et le filament clignote ici. Herbe médicinale, ok, merci. Donc, c'est peut-être à la porte ici. Non, c'est moins. Ah, c'est peut-être à l'étage. C'est peut-être à l'étage. C'est moins éclairé, du coup, c'est peut-être à l'étage. On va voir ça. Monte l'escalier. Monte... Ah, ça, c'est en train de vibrer. Ouais, c'est bien à l'étage. Oh putain! Le truc de sauvegarde ne fonctionne pas. C'est là-bas. Il y a quelque chose ici. Bah, c'est où? Where is it? Ah, c'est là-bas. Oh mon dieu, c'est quoi ça machin? Il y a un truc qui bouge. Ok, c'est une petite fille qui pleure. On va prendre une photo. Et là, elle va nous attaquer. Comme sa mère. Oh putain. Qu'est-ce que je vous avais dit? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. Ah, elle est là. Hey, hey, je vois plus rien.
Oh putain, je vois plus rien. What the fuck? Elle a éteint les lumières. Elle est méchante. Elle est là. Elle est en train de m'attaquer. Allez, je vais essayer de la bloquer, de la ralentir. Elle est où? Elle est où? La saleté, où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas, elle est là. Ne bouge plus! Elle se balade comme ça, tranquille. Elle est où? Elle est là-bas. Ah non, elle est là! Espèce de taré! Je vais te tuer! Ah non! Ah, mauvais bouton. Pardon. Ça casse tout le truc. Hey, lâche-moi! Lâche-moi! Petite idiote! Lâche-moi! Vous avez vu sur le. Sur le bras de Ray? Oh non, je l'ai raté. Je suis désolé. Combat qui dure 3 plombes. Oh non, je l'ai raté encore. Ah si, j'ai touché. Ton père ne viendra pas. Oh, il est là. Putain. Comment il nous attaque derrière, quoi. Oh putain, il est là. Elle est là. Bon, ça va, c'est pas trop. C'était pas trop difficile en fait. C'est juste que c'était un peu chiant. Désolé, petite fille. Ton papa n'est plus là. On va sauvegarder, les amis. Au cas où. Et on est reparti. Donc on va aller voir là où elle était. Il n'y a rien. Donc on va continuer ici. Sûrement quelque chose à faire. On dirait quelqu'un qui frappe sur un marteau. Si j'avais un marteau. Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bah y'a rien ici. Eh ouais, y'a que dalle. Ah. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh, c'est la petite fille qui était sur le. Sur la photo qu'on a pris en fait. Elle regardait, elle souriait. Elle va se tourner vers nous. Oh la saleté! Oh! Je savais qu'elle allait se tourner vers nous en souriant. Bon. Du coup, le truc est ouvert. Du coup, c'est ouvert, donc on peut y aller là. On va y aller. Alors, où est-ce que c'était déjà? Il fallait traverser une cour, je crois. Je me trompe pas, ouais. Traverser la cour. Et pour traverser la cour, d'abord, il fallait traverser. Je sais pas. On verra. Dans l'écouteur gauche, là, j'ai un bruit horrible. Un chuchotement qui fait. Bon, quand je l'ai fait comme ça, ça vous paraît pas horrible, ça vous paraît marrant, mais pour moi c'est horrible, je suis tout seul le soir. Voilà. Eh, hey, oh, oh, oh. C'est l'horloge. Ah! Ah, salope! Elle a l'air méchante. Elle a l'air méchante, elle. Bon, je vais me remettre un peu de vie. Parce que je le sens pas du tout. Il est où le truc de l'herbe médicinale? Voilà. Ça donne que dalle l'herbe médicinale, franchement. Allez. Pour une fois qu'on a un vrai. Oh putain, il est là! C'était la main, c'est ça? C'était la main? Eh non, elle est en face de nous, apparemment. Elle est là. Wow! Combo!
Elle n'est pas morte. Viens là, petite demoiselle. Est-ce qu'elle est... Ah! Ah, mon Dieu! Oh putain, arrête d'appuyer sur le mauvais bouton, Stéphane! Sérieux, tu déconnes, là! Lâche-moi! À chaque fois qu'on la touche, il y a le tatouage qui... Où est-ce qu'elle est? Putain, la saleté, quoi. Je vais aller dans un endroit un peu plus ouvert. Là, c'est plus ouvert. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Wow! Oh non! Punaise, mais je suis une merde, c'est pas possible. Vous voyez comment elle vient de loin sur nous, quoi? C'est horrible. Ah bah oui, je suis en type... Allez, type 61. Allez, crève! Oh non, j'ai raté le Fatal Frame, là. Allez, crève! Fatal Frame, combo? Ouais, combo. Allez, viens, reviens. Où est-ce qu'elle est? Ah! Ça, c'était un putain de gros plan, là. Ah, je suis d'accord avec toi, c'était un gros plan, là. Ah! Ah, c'était pas simple. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Allez, on va continuer. Donc on va repasser par on va passer par là. Ouais, je crois que c'était par là, ça. Si je me trompe pas. C'était bien par là. Pour aller dehors. Ouais, alors ah bah je suis kéké. Regarde la carte. Donc là on ressort et on arrive... Ah, le jardin. Ouais, c'est bien par là. Donc on va tout droit et après on va sortir. Nickel! Je suis sur la bonne voie. Je vous confirme que nous sommes sur la bonne voie, mes amis. Alors, hop, hop, hop. Ouais, je me souviens de ce couloir. Là, on a vu la petite dame à gauche. On a pris la photo à gauche. On est là-bas. Je vais entre-temps aller sauvegarder, hein, parce que dans le jardin, vous avez un petit truc de sauvegarde. On n'est jamais trop prudent. Et on va continuer l'aventure. Parce que si l'autre bâtard qui va super vite nous réattaque encore une fois, ça ne va pas le faire, moi je peux vous le dire. Et on est reparti. Donc la petite porte qui était scellée, qu'on avait vue tout à l'heure en début d'aventure, maintenant elle est décellée. Je pense que c'est la seule porte qui doit être décellée actuellement. Ah, on va essayer de voir si cette porte est ouverte. Et non, elle est toujours scellée. Bon, on s'en fout, on va aller voir cette porte. La poupée clouée de la porte a disparu. Allez, ouvre. Découvrons ce qu'il y a dedans. On va se faire démonter la gueule, les amis. Oh, putain. Plein de poupées. Des poupées épinglées sur le mur. Son grand sourire, tu vois. Ne m'attaque pas, s'il te plaît. Ah, elle, elle est gentille. Elle ne m'attaque pas. Bon, qu'a-t-il sur l'autel? Une pierre précieuse aussi grosse que mon poing est posée sur l'autel éclairée par des bougies. Elle semble servir à une sorte de cérémonie. Quelque chose brille au-dessus de l'autel. Cléca pas nul. Tiens, ça me vient un truc, ce mobile. Ah oui! La porte sur le sur l'échelle. Allez, on va y aller. On va aller à la porte sur l'échelle. Attends, je vais voir s'il n'y a pas autre chose ici. Ne te retourne pas, voyons, Ray. Non, il n'y a rien d'autre ici. Rien d'autre à découvrir. Il y a un tatami, c'est tout. Oh, putain! Oh, mon Dieu! Ah! Oh, putain, la salope. Vous voyez, elle m'attaque. Au final, elle m'attaque. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là! Ah, elle va essayer de m'avoir mes pieds. La saleté, elle va essayer de planter un pieu dans mes pieds. C'est bizarre, c'est dur à dire, planter un pied dans mes pieds. Elle est à droite, elle est là. Wow, elle se déplace trop vite.
Ok, elle va essayer d'avoir mes pieds en fait, donc il faut juste que je fasse gaffe à mes pieds. Allez, viens petite, viens. Je t'attends. Est-ce qu'elle est? Faut que je me dirige au son. Elle est là. Waouh! Et voilà, combo. Oh mon dieu, j'aurais pu faire un troisième combo. En fait, c'est par rapport... C'est par rapport à un rythme en fait, c'est plus par rapport à ce que je vois sur l'écran. Elle est là-bas. Oh putain, elle disparaît et tout. Où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. Allez, viens petite fille, viens! Que je te pète la gueule! Et voilà, allez, combo! Ah, j'ai foiré le combo. Elle est morte? Oh que non, elle est pas morte. Elle n'est pas morte. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là-bas. Hey, c'est pas facile à battre celle-là. En tout cas, j'essaie de d'immobiliser depuis tout à l'heure, j'arrive pas. Là, je l'ai eu, là. Je l'ai eu! Quelque chose apparaît sur la photo. Ok. Ça, ça a développé après. Elle est morte là, techniquement. Voilà. Pauvre petite fille. Mais elle avait l'air sadique quand même, hein. Quelque chose sur le sol à l'endroit où se tenait une fille habillée en vierge du sanctuaire. Hmm? Journal gris. Est-ce douloureux d'être empalé? Vaut-il mieux que le pieu pénètre lentement ou qu'il soit planté vigoureusement? Je me demande si elle meurt si le pieu les transperce complètement. Est-ce grave si elle meurt? J'ai hâte d'empaler une prêtresse. Ok, c'est dans le même trip que Projet 04, hein, que vous pourrez voir sur la chaîne principale, avec les Canadais et l'Otsuwa, en fait, avec quatre petites filles qui doivent faire un truc à une prêtresse. Vous avez ajouté le journal gris au dossier. Bon, les amis, on va repartir au... C'est quoi ce chant? C'est quoi ce chant? Hein? Excusez-moi, j'espère que ça vous a pas fait peur. C'était plus fort que moi. Et le rituel continue! Ah, elle s'est rhabillée. Il y a un vieux film. Ok, d'accord. Donc, on va aller développer tout ça, hein, les amis. On va aller développer tout ça. On va bien aller voir découvrir ce qu'on a vu. Et après, on va voir si Miko est là. On va lui donner les photos parce que je crois qu'on avait des photos à lui refiler la dernière fois. Et qu'elle est... Hein? Qu'est-ce qu'elle chante, la Miku? Le chant de Dodo? Les Zarbi, la Miku. Miku! Qu'est-ce que tu fais? Miku, cette chanson. Oh, Ray, bonjour! Cette chanson? Je ne me souviens pas où je l'ai entendue, mais... J'ai l'impression qu'elle hante mes rêves ces derniers temps. Oh, mon Dieu, excusez-moi. J'ai l'impression qu'elle hante mes rêves ces derniers temps. J'ignore ce que signifient les paroles. Il s'agit peut-être d'une sorte de dialecte. Les rêves. De quoi parlent ces rêves? C'est la berceuse qu'elle a entendue dans son cauchemar, donc du coup, j'imagine que ça va la faire flipper d'entendre Miku chanter ça. Je ne m'en souviens pas bien, mais je chante cette chanson dans mes rêves. Je chante et me sens de plus en plus triste. Comme si je pensais à quelqu'un d'important. Et à la fin du rêve, je suis terrifié. Je me souviens seulement du fait que j'ai terriblement peur. C'est toujours ainsi avec les rêves, j'imagine. Bah non, apparemment, Ray doit se souvenir de ses rêves.
On va aller développer tout ça. Encore, le chat est encore là. Il fait que bouffer toute la journée, ce putain de chat. Pardon d'avoir utilisé le mot putain juste avant le chat. Si vous êtes fan... Oh, il y a un truc ici. Si vous êtes fan de chat, tant pour moi. Récupère le truc. Une enveloppe est arrivée dans la boîte aux lettres. Lettre de Kay. Ah. Cher You, faudrait quand même lui dire un jour que You est mort. Tu trouveras dans l'enveloppe un enregistrement concernant la légende urbaine. Je te le confie car je sais que tu en prendras soin. J'ai trouvé d'autres enregistrements, mais ils sont presque tous vieux, endommagés et de mauvaise qualité. Je vais essayer de les restaurer. Je te les enverrai quand j'aurai réussi. J'ai passé beaucoup de temps dernièrement à étudier les mythes et les folklores locales. C'était plutôt ta spécialité et celle de Mafuyu, non? Mafuyu, donc le frère de Miku. J'essaie de resituer pour ceux qui n'ont jamais fait le 1 ou le 2. Donc Mafuyu, c'est le frère de Miku, donc Miku, la fille qui nous suit, donc l'héroïne du premier projet Zéro. Elle était héroïne du premier projet Zéro, parce que en fait, elle devait aller sauver son frère qui était coincé dans un manoir hanté. Voilà, donc toujours l'histoire de fantôme. C'est un sujet intéressant, mais je préfère garder mes distances. Parce que Mafuyu lui-même voulait enquêter sur des gens qui ont disparu dans un manoir qui était hanté, voilà. Comment va la sœur de Mafuyu? Miku, c'est bien ça? Voilà. J'ai eu beau chercher partout, je n'ai trouvé aucune trace de Junsei Takamine. Voilà, justement, Takamine, c'est le gars... C'est pas une guitare, hein, Takamine. C'est le gars que Mafuyu voulait aller chercher dans le manoir, justement, et où il a disparu. Et donc, t'as Miku qui a dû aller le sauver aussi. S'est-il lui aussi volatilisé? Si tu trouves quelque chose, préviens-moi. Mio est très faible. Je l'ai fait admettre à l'hôpital. Elle ne se réveille que tous les deux jours et jamais plus que de deux heures. Je dois accélérer mes recherches. Amitié, Kei Amarkura. Normalement, contient la photographie d'une fille. Mio. Ah, Mio. Détrompez-moi si je me trompe. C'est con ce qu'on vient de dire. Bref, dites-moi si je me trompe, mais Mio, c'est pas une des deux sœurs du 2, justement. Enfin, je pense avoir vu ça dans les commentaires récemment, que quelqu'un m'avait bien confirmé que Mio et Mayu étaient les deux sœurs jumelles de Projet 02. Donc, tout est lié. Et donc, vous aviez raison, enfin, je sais plus qui m'a dit ça, mais vous... Ah, bande de manoir du sommeil, ah. Donc, vous aviez raison lorsque vous me disiez qu'il fallait que je fasse dans l'ordre, mais bon, je voulais absolument faire le 3 parce que le 1, j'ai déjà fait. Je peux... Peut-être l'écouter sur le poste de ma chambre. Ah bah oui, là où je voulais que tu danses. Mais d'abord, avant d'aller écouter ça, on va quand même aller développer les photos. What the fuck? Non, on va développer les photos. T'as des photos à développer, ma vieille. Pourquoi tu te mets en nuisette déjà? Bon, allez, on va développer ces photos. Ah, les photos, c'est là-bas, je crois, pour développer. Je crois que c'est... Ah non, c'est la chambre de... C'est la chambre du défunt You. Et là, c'est la chambre de... Miku. Ouh, putain. Les noms. Faut les retenir, les noms. Donc on va... Vous voyez, là, le vent qui pousse le truc, ça m'a fait flipper, là. Donc on va... Le chat n'est plus là, donc je pense que le chat doit être dans la chambre de... De Miku. On va aller... Et là, si on passe encore, il y a des fantômes qui apparaissent. Comme la dernière fois, on était dans la réalité, entre guillemets. Il y avait un fantôme qui avait apparu. Qui était apparu. Et pas avait apparu, c'est pas le bon verbe que j'utilise. Allez, on va développer ces photos-là. Donc, il y a trois photos à développer. Ça, ça venait du jardin, si vous vous souvenez bien. Et on dirait les poupées empalées dans la cour. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Voilà, poupées empalées, donc dans le jardin. Et elle, c'est la petite fille qui s'est retournée vers nous, si je me souviens. Ah non, c'est la petite fille qu'on a découverte dans la chambre, dans la maison, en fait. La vie, voilà. Dans la chambre où il y avait plein de poupées, là. Qui nous a attaqué d'ailleurs en salope. Désolé pour le mot, mais qui nous a attaqué en chien, quand même. Et ça, c'est un vieux projecteur, voilà. Donc, on va donner ces petites photos à la jeune demoiselle... Elle est en train de développer des photos en nuisette, quoi. À demoiselle Miku. Chaque fois, j'arrive pas à retenir son nom. Pourtant, c'était l'héroïne du premier, hein. Donc, techniquement, je devais m'en souvenir. Mais non. Donc, on va aller dans sa chambre. On va frapper à sa chambre et on va lui dire « Hey, madame, tu peux aller vérifier un peu ?»
Bonjour Mirko, excuse-moi de te déranger le soir comme ça. Oula, une petite nuisette toi ici. Bonjour, je vais te faire chier. Bref. Ouais, en fait, je voulais savoir si tu... Ray, que se passe-t-il? Mais écoute, cette personne sur la photo est posée sur ton bureau. C'est mon grand frère. Il a disparu, il y a longtemps. Je l'ignorais, désolé d'avoir évoqué ce triste souvenir. Je me demandais juste... Développe les photos! Putain, bon. Enfin, pas développe les photos. Renseigne-toi sur les photos, quoi, c'est ce que je voulais lui dire. Hé! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça change comme ça? Pourquoi ça change? Bon, on va rentrer dans la chambre. C'est parce qu'on rentre dans la chambre que ça change. Ah non. Bon, on va écouter ça sur le... La chaîne Hi-Fi. Écoutez attentivement. In my dream, I saw my mother in that manner. Inside, there was an old shrine. It was cold. Snow was falling. I could hear a song. There were so many people going into the shrine. It was like a funeral procession. I could smell incense burning. Everyone was hiding their faces. My mother was among them. No matter how many times I called her, she kept going further and further. Before the door shut, it was like I was going to be left all alone. I saw it every day. I went in just a little bit. If I went any further, I wouldn't be able to come back. But I thought I could meet my mother in there. Je reprends la parole doucement pour ne pas vous faire peur. Pour ne pas vous faire sursauter. On peut entendre beaucoup d'autres choses derrière en fait. Ralenti. C'est quoi ralenti? In my dream. Alors, n'importe quoi. On réécoute quoi. On peut entendre. On peut entendre en fait des voix derrière. Je vais ressortir. Je vais ressortir parce que. On va pas aller dormir maintenant, ce serait du gâchis d'aller dormir maintenant. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose à faire là. Bon, on va aller dans la chambre de You, on va risquer d'aller dans la chambre de You. Le silence. Il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau dans la chambre de You. Ah! Occultisme. La caméra obscura est un appareil permettant de photographier l'autre monde conçu par le célèbre occultiste Nanayangai Asu. Asu! Asu! Tout se rejoint, oui, mais je gueule Asu parce que Asu, en fait, on voit Asu, enfin, on entend parler de Asu beaucoup dans Projet 04, qui tenta à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, d'en prouver l'existence. Le terme occultiste désigne ici toute personne appliquant la technologie occidentale au monde. Au mode de pensée et aux légendes d'Orient. Kunihiko Asu est l'un des plus célèbres occultistes. La caméra obscura est sans doute sa réalisation la plus importante. Il transforma un appareil photo rare à cette époque à l'aide d'un film et d'un objectif spécial. À l'aide d'un film et d'un objectif spécial, non? Permettant, selon lui, de photographier des choses invisibles à l'œil nu. La fameuse dimension spirituelle des fantômes. Ces appareils, bien que rarissimes aujourd'hui, peuvent être dénichés dans certains magasins d'occultisme. La plupart sont cassés et nous avons sans doute perdu toute chance de voir un jour l'autre monde du docteur Asu. Eh ben moi, j'ai une caméra. Après, c'est fouillant les bureaux et les bibliothèques. D'accord. Donc, dès qu'il y a une bibliothèque... Ah, un livre similaire.
par ceux qu'on a photographiés dans le manoir. L'appareil présenté ici appartenait à Kuniyasu, qui l'utilisait pour prouver l'existence du monde des esprits et communiquer avec celui-ci. Scientifique et philosophe de renom a su utiliser les dernières avancées technologiques occidentales. On l'a vu. Apparemment, certains de ses appareils auraient capté les signaux surnaturels. Après sa mort, Asu devint une sorte de célébrité et ses créations, dont ce projecteur, fait partie. Ce projecteur furent achetés par de riches occultistes amateurs et dispersés aux quatre coins du pays. Après avoir posé les bases théoriques de la caméra obscura, un appareil permettant de photographier l'autre monde, voire ci-dessus, il créa un écran sur lequel il était possible de projeter des images de l'au-delà. Et c'est le projecteur qu'on a pris en photo. Selon la rumeur, ce qui se passerait sur l'écran n'était pas visible au moment de la prise de vue. Oh. Oh. Rien d'autre ? Rien d'autre. Bah justement, on va aller voir avec... on va reparler un petit coup à Miku. Pourquoi je comprends pas. Bon, je vais juste rapidement aller voir Miku. Après, on va aller voir dans le salon. Ce qui se passe dans ce putain de salon, parce qu'il y a un truc qui se passe. Miku! Ray? Are you having trouble sleeping? Ray, this is it. Ray, je me suis renseigné sur cette maison abandonnée sur laquelle nous avons travaillé. Tiens, juste. Donc, jette un coup d'œil à ça. J'ai pu lire. La maison abandonnée. Voici un résumé des informations essentielles sur la maison abandonnée recueillies auprès d'un journaliste. Le document n'est pas exhaustif, mais sera très utile en tant que référence. Histoire du manoir. On raconte que plusieurs villages entouraient le manoir au début du XXe siècle, mais aujourd'hui, seule la maison existe encore. Personne ne sait quand elle a été construite. Le manoir était à l'origine un bâtiment immense, de forme étrange, dont seule l'entrée subsiste encore. Sur certaines vieilles cartes, on peut voir un sanctuaire. S'il a jamais existé, il est aujourd'hui détruit et personne ne s'en souvient. Mais dans les montagnes alentour, la légende dit que le manoir serait un passage vers l'autre monde. La légende du manoir fantôme, sans doute à cause de la légende, la maison est depuis longtemps surnommée le manoir fantôme, et de nombreux curieux viennent le visiter. Aujourd'hui, selon la légende, le manoir permet de rencontrer des morts qui par la suite vous font venir dans l'autre monde. Apparemment, la légende tiendrait son origine des séances de spiritisme qui ont lieu dans ce sanctuaire. Quoi qu'il en soit, je pense que tout cela prend source dans les mythes de la montagne de l'autre monde. Merci de ton aide précieuse. You can ask me whatever you want. Alors, je veux que tu te renseignes sur ces putains de photos. Je vais te les donner. Vas-y. What can I do for you? Les photos. Ah. Tu crois que tu pourrais te renseigner sur cette photo pour moi? Il n'y a pas que cette photo là. Il y a d'autres photos. Ah, voilà. Ouais, ça c'était. Ah, c'est l'épisode d'avant ça. Ça c'était dans le. Understood. Le. I'll let you know if I find anything. Il n'y a pas que ça comme photo, il y a d'autres photos, Ray. It's raining again. Ok, bon, pas plus de trois à la fois, apparemment. Ray, you've been working too hard. You should get some rest. Bon, là, on va aller dormir. Je vais juste aller dans le salon pour voir ce qu'il y a, parce qu'à chaque fois que je sors de la chambre, il y a quelque chose. Juste aller voir ce qu'il y a dans le salon. Et là, vous me dites, c'est une mauvaise idée, Steph. Oh putain! Il y a des jambes. C'est des jambes ça? Non, c'est des bottes. Putain, ça m'a fait peur. C'est des jambes. Oh putain, c'était des jambes. Putain, c'était des jambes. J'ai un frisson là. Le petit détail de merde. C'était des jambes. Je croyais que c'était des bottes à un moment. Je me suis dit non, c'est des bottes. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va aller dormir et... lorsqu'on va aller dormir... Je pense que on va s'arrêter là parce que ça fait un petit moment déjà. Donc on va s'arrêter là juste avant d'aller dormir. Et je vous dis, on va sauvegarder déjà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous aurez regardé cette vidéo. Et vous donne rendez-vous pour un prochain épisode d'ici peut-être 2 jours, voire 3 jours. Je sais pas encore, mais je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Merci de suivre ce let's play, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à commenter sur les trucs. Et je suis désolé, mais je ne peux pas changer la façon de faire en fait. C'est en 16 neuvième déjà à la balle dans ce que j'enregistre. Donc ça restera en 16 neuvième comme ça. Je peux pas faire passer en 4 tiers en fait. Voilà. Sur ce, bonne soirée ou bonne journée à vous en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo.